Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. On va aujourd'hui se faire un petit tour de cartes qui est vraiment génial. Vous allez voir, la méthode est vraiment dingue, c'est vraiment incroyable, je ne connaissais pas du tout et c'est vraiment magnifique. Voilà. Et vous verrez que dans ce tour, on parlera beaucoup du détournement d'attention qui est une arme redoutable pour le magicien. Donc vous montrez un jeu de 52 cartes au spectateur. Vous avez un jeu de 52 cartes et vous allez lui faire choisir une carte. Donc il va vous dire stop quand il veut, il vous dit stop ici, par exemple, et vous lui donnez la carte, c'est le 5 de pique. Ok. On va lui demander de remettre la carte ici, et on va lui donner le jeu, et on lui demande de mélanger. Donc il va mélanger à la française lui-même. Puis vous lui demandez le nom de sa carte, donc il va vous dire le 5 de pique, vous faites juste ça avec les cartes. Et vous lui dites, rappelez-vous, je vous ai parlé du détournement d'attention. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai réussi à mettre le 5 de pique que vous avez choisi juste ici sous l'étui. Et donc là, à ce moment-là, vous montrez toutes les cartes. Normalement, vous pouvez faire un ruban, mais là, j'ai pas la place. Et donc, vous montrez toutes les cartes au spectateur en montrant que sa carte qu'il a choisie, le 5 de pique, a vraiment disparu totalement du jeu. Là, vous soulevez l'étui comme ça tout doucement et vous montrez qu'il y a une carte ici. Et donc il n'a pas vu hein, que j'avais mis la carte ici. Je ne sais pas si vous avez vu vous aussi. Je ne pense pas. Et donc vous montrez que le 5 de pique est ici. Okay. Donc on va continuer l'expérience avec le spectateur. Et vous lui dites, voilà, on va essayer de faire exactement pareil. Donc là, vous avez choisi le 5 de pique. On va essayer de faire voyager les autres 5 en dessous l'étui ici. Donc là, vous montrez qu'il n'y a pas de carte ici. Vous déposez l'étui ici, par exemple. Et vous dites, on va essayer de les faire voyager, non pas un par un, mais tous ensemble d'un coup. Et donc, vous allez faire votre geste magique, qui est celui-ci, une fois, deux fois, trois fois. Et là, vous dites, j'ai réussi à faire voyager les trois autres 5 sous l'étui. J'ai réussi une nouvelle fois à détourner votre attention. Vous n'avez rien vu, mais croyez-le ou non, vous avez les trois autres 5 en dessous l'étui. Et donc, vous montrez au spectateur que il n'y a plus aucun 5 dans le jeu. Vous montrez les cartes une à une tout doucement devant le spectateur. Et pendant que vous montrez les cartes, vous lui dites, est-ce que vous pensez que j'ai réussi à nouveau à détourner votre attention? Et là, il va penser que oui, puisqu'il ne voit plus aucun 5 dans le jeu. Et ici, vous poussez l'étui. Ici, nous avons 3 cartes. Nous avons le 5 de carreau, le 5 de trèfle, et le 5 de cœur. Donc on se retrouve pour l'explication de ce tour. J'espère que vous avez apprécié. Apparemment oui, vous avez été très 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 nombreux à liker. Donc merci à tous ceux qui ont liké, vraiment ça fait plaisir. Voilà, donc je ferai plus souvent ce genre de système, de faire liker un peu les vidéos. Ça me permet de voir l'engouement et l'intérêt qu'ont les gens pour la vidéo. Voilà, c'est assez important pour moi. Donc vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire, moi j'adore ce tour. Ça ressemble à Tool, mais c'est pas du tout la même façon de faire. Donc premièrement, avant de vous parler du gimmick, je vais vous parler comment ranger votre jeu et ce qu'il faut faire. Donc vous prenez un jeu normal de 52 cartes. Vous allez enlever les 4-5. Vous enlevez ce que vous voulez comme carte. Moi j'ai mis des 5. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Vous allez prendre les 3-5 qu'on va mettre dans l'étui. Juste après, je vais vous expliquer comment. Ce 5 là, on va le mettre, on va le préparer déjà à l'avance sur le tapis et on placera notre étui comme ceci par-dessus à l'avance. Donc quand vous allez faire ce tour, bien évidemment vous ne pouvez pas sortir faire tout ça devant le spectateur. Il faut que vous ayez déjà préparé votre étui et que vous ayez déjà placé une carte en dessous. Voilà, ça c'est peut-être l'inconvénient de ce tour. Ensuite vous allez prendre un autre 5 de pique, donc la même carte qui est en dessous ici, et vous allez la traiter. Pourquoi? Tout simplement pour la faire disparaître dans le jeu, quand le spectateur va remettre la carte et qu'il va mélanger, la carte va adhérer sur notre carte et donc celle-ci va disparaître quand on va montrer toutes les cartes. Donc vous pouvez la traiter avec du roughing stick sans problème, n'en mettez pas trop vraiment. Moi j'utilise cette bombe-là, vous savez, depuis de nombreuses années. Je prends Odif Grippy effet anti-glisse, c'est une bombe aérosol et ça marche du tonnerre et ça coûte pas cher. Voilà. Je vous mettrai le lien si vous voulez en acheter, il n'y a pas de problème. Donc ça va servir à ce que les cartes ne se séparent pas.
D'accord? Vous ne pourrez pas faire un jeu invisible avec ceci, il faudra du roughing fluide, ce n'est pas pareil. Là, avec ce produit, les cartes adhèrent vraiment. Donc j'en ai mis très peu sur ma face de carte ici, pourquoi? Parce que comme je vais devoir forcer ma carte ici, j'ai pas envie qu'elle colle vraiment à l'autre, vous voyez? Donc moi je force la carte comme ceci, tout simplement, donc elle se décolle très facilement. Donc le spectateur choisit le 5 de pique, je lui demande de la remettre où il veut. Donc là je vais la mettre sur le 10 de pique, ici. Le spectateur mélange, et là, si je fais un ruban, vous allez voir, la carte est derrière le 10 de pique ici, elle est collée, ici. Vous voyez? En mettant très peu, on ne voit pas du tout la carte. J'ai mis très peu de produit, hein. Et si je fais un ruban, on ne voit pas du tout le 5 de pique, il a disparu, il est derrière le 10 de pique. Donc je peux très bien montrer les cartes une à une comme ça, en disant au spectateur, regardez, le 5 de pique a disparu. Il est juste derrière ici. Il est juste derrière ici. Hein. Ça adhère très bien. Hein. Voilà. Vous montrez les cartes une à une sans problème, sans que ça se sépare. Ok? Donc ça, vous en mettez très peu sur votre carte à traiter. Le 5 de pique. Ici. Voilà, ça me permet de bien la décoller pour forcer. Et en même temps, elle adhère bien derrière pour la cacher. Donc maintenant on va parler de l'étui, donc on va parler du gimmick, donc comment est fait cet étui puisqu'il est truqué bien évidemment. Donc ce qui est cool c'est que vous voyez là on voit pas de cartes, hein. On a à faire un étui vraiment normal. Si on regarde de ce côté-là ou si on retourne, c'est exactement pareil, on a à faire un étui normal, il n'a pas de carte. Pourtant si on pose l'étui, qu'on soulève, il n'y a rien en dessous. Hein. Il suffit de pousser comme ça, et là vous avez une carte qui apparaît, ou vous pouvez faire apparaître une carte, deux cartes, trois cartes, quatre cartes. J'ai pas. Comptez combien je pouvais mettre de cartes maximum, combien de cartes pouvaient sortir. J'ai pas testé, il faudrait que je teste. Mais voilà, vous allez pouvoir faire apparaître le nombre de cartes que vous voulez grâce à cet étui qui a l'air tout à fait normal des deux côtés. Donc comment ça se passe? Bah, c'est très simple, vous allez prendre un cutter ou un ciseau. Et voilà le gimmick, le truc est là, en fin de compte. Voilà, je vous montre ici. J'espère que vous voyez bien. Donc j'ai découpé en fin de compte le bord. Vous découpez le bord de l'étui ici. Donc à peu près jusqu'au rouge ici. Là vous coupez ici. Voilà. Et donc vous allez découper aussi sur le bord de l'étui ici et ce côté-là. Voilà. Vous allez faire 2, 3, allez, 3, 3, 4, 3 mm à peu près. Voilà. Il faut qu'il y ait un petit écart comme ça. Ok, vous pouvez ouvrir votre étui, découper avec un ciseau si vous voulez. Vous recollez la languette. Alors moi j'ai collé le rabat ici. Ici, vous avez une petite languette ici. J'ai mis du double face, et donc quand je ferme mon rabat, ici, ça colle avec mon double face ici. Donc mon étui ne s'ouvre pas. Voilà, c'est mieux qu'il soit fermé. Et donc vous avez vu, il y a un petit écart. Donc vous découpez exactement comme ça. Je vous montre bien. Voilà, et grâce à cette ouverture-là, grâce à ça, et ben vous allez pouvoir faire apparaître le nombre de cartes que vous voulez. Voilà, c'est génial. Donc, une chose très importante à faire aussi, vous allez prendre une carte au hasard. Et vous allez mettre du double face ici, et vous allez l'insérer dans votre étui, ici, et vous allez la coller. D'accord? Donc, ici, vous pouvez pousser un petit peu ici, mettre votre doigt. Vous voyez, là, j'ai une carte à l'intérieur. Je sais pas si on voit bien, mais j'ai mis une carte à l'intérieur. Et donc, vous la collez, vous l'insérez, et vous la collez, vous poussez avec votre doigt, vous la collez dans l'étui à l'intérieur. Ça va permettre aux cartes de bien coulisser. Quand elles vont sortir de l'étui, voilà, elles vont mieux glisser, donc ça sera plus facile pour elles de sortir de l'étui. Ok? Et en même temps, quand vous avez fini de découper cette partie-là avec votre doigt, vous voyez, vous lissez un peu le bord comme ça avec le pouce pour pas que la carte bute contre l'étui. Vous voyez, il faut que ça soit bien lisse ici, bien aplati. Ok? Ce qui fait que si on insère une carte ici et qu'on pousse d'un coup sec, vous avez la carte qui apparaît. Tout simplement. Ok? Donc voilà, vous collez bien la carte à l'intérieur. Donc maintenant, on va passer à la routine. Donc je pense que vous aurez plein d'idées, mais vraiment, alors là, je pense qu'il y a plein d'idées à avoir avec ce genre de gimmick. Donc vous avez vu, c'est franchement, c'est presque invisible, hein. Si le spectateur est en face de vous, vous mettez l'étui comme ça. Donc là, il y a l'ouverture en haut. Le spectateur qui est en face ne verra pas l'ouverture ici, hein. Il verra ce côté-là. Et quand vous prenez le jeu, je vous explique après, vous le retournez comme ça. L'ouverture est en bas de ce côté-là, ici. Donc si le spectateur est en face, il ne peut pas voir l'ouverture ici.
Et là, en plus, on voit qu'il n'y a rien du tout, hein, des deux côtés. Hein. Donc pour faire la routine que j'ai fait exactement dans la démo, vous prenez votre carte traitée ici, vous la mettez sur votre jeu. Ici, vous mettez, alors attention, l'étui avec l'ouverture ici en haut, comme ça. Vous mettez votre 5 de pique que vous cachez déjà à l'avance, ici. Et vos 3 5 ici, vous les mettez dans l'étui. Comme ceci, normalement, si vous faites un petit geste sec comme ça, vous avez les 3 cartes qui apparaissent. Après, je vous expliquerai comment faire exactement. Donc vous placez les 3 cartes dans l'étui, comme ça. Vous tournez l'étui, l'ouverture vers le haut à droite. Vous cachez votre 5 de pique, ici. Voilà, vous êtes prêt à commencer votre tour. Vous pouvez faire des faux mélanges, je vous conseille, puisque vous devez garder intacte que la carte du haut, donc c'est très facile. Donc vous allez forcer la carte du dessus, donc vous faites le forçage que vous voulez. Donc moi je fais celui-ci, au stop, ici. Je tourne le jeu dans ma main, je le fais pivoter, et tout simplement je décale la première et je dépose. C'est un forçage très convaincant, qui passe vraiment très bien. Le spectateur choisit une carte, le 5 de pique. Là, comme il est traité, bah, c'est génial, vous coupez. Où vous voulez, vous lui dites de remettre le 5 dans le jeu. Ici, vous lui demandez de mélanger tout de suite à la française. Donc il mélange et là la carte a déjà adhéré. Et vous lui dites, on va parler du détournement d'attention. Donc franchement, c'est bien de parler du détournement d'attention, tout le monde connaît. Et là, je trouve que le fait de faire ce tour, cet effet-là, ça rentre vraiment bien en compte avec le détournement d'attention. C'est l'occasion d'en parler. Puisque tout va être basé sur ça. Donc là, vous reprenez le jeu et vous dites, regardez, si je fais ce mouvement-là, le 5 de pique a disparu du jeu. Et là, vous montrez les cartes une à une. Et là, vous voyez, le 5 de pique a adhéré derrière le 4 de trèfle. Donc vous montrez les cartes une à une. Vous voyez, elles ne se décollent pas du tout. Vous montrez que le 5 de pique a disparu. Bien sûr, il n'y a pas les autres 5, mais ça, le spectateur, comme on ne lui en parle pas pour l'instant, il ne peut pas voir qu'il manque les autres 5. Il va pas, même là, il va pas se dire, bah tiens, j'ai pas vu les autres 5. Lui, il est focalisé sur le 5 de pique, vous inquiétez pas. Donc là, on montre que le 5 de pique a disparu. Et là, vous lui montrez que vous avez réussi à détourner son attention, puisque vous avez réussi à placer la carte sous l'étui. Vous dites, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai réussi à placer votre carte sous l'étui. Là, vous soulevez et vous montrez une carte, et vous montrez que le 5 de pique est sous l'étui. Okay? Vous laissez cette carte-là. Là, quand vous soulevez ici, il faut faire exactement ça. Vous prenez entre le majeur et le pouce, ici. Et vous allez tourner le jeu dans ce sens-là, comme ça, tout simplement. Et vous le déposez ici. Ok? Ce qui fait que là, on a l'ouverture qui est à droite en bas. Donc là, le spectateur ne peut pas voir l'ouverture. Donc là, il voit ensuite que derrière, il n'y a rien. Et là, vous dites, on va essayer de faire la même chose avec les autres 5. On va essayer de les faire disparaître. Du jeu ici pour les faire apparaître sous l'étui. Et là, vous soulevez une nouvelle fois. C'est très important que vous souleviez une nouvelle fois pour que le spectateur voit qu'il n'y a vraiment aucune carte en dessous. Et là, vous déposez tout simplement. Vous le mettez où vous voulez. Et donc, vous faites ce geste 3 fois. 1, 2, 3, en disant tous les 5 ont disparu. Là, vous montrez une nouvelle fois qu'il n'y a aucun 5. De toute façon, les 3 5 sont déjà dans l'étui depuis le début. Donc, vous montrez les cartes une à une, vous faites un ruban, vous montrez comme ça en éventail. Donc là, le spectateur voit qu'il n'y a plus les 5. Là, vous dites, j'ai encore réussi à détourner votre attention. Vous n'avez pas vu ce que j'ai fait, mais j'ai réussi à placer les 3 5, les 3 cartes sous l'étui. Là, il va halluciner puisque vous avez montré juste auparavant, quelques secondes avant, qu'il n'y avait rien en dessous l'étui. Donc là, vous poussez avec un coup sec au milieu, avec le majeur ou l'index, mais vraiment un coup sec. Parce que si vous ne poussez pas assez fort, vous allez avoir les cartes qui vont sortir de l'étui, mais qui seront encore dans l'étui. Et là, c'est un peu chaud, c'est un peu grillé. Donc il faut vraiment que l'étui soit vraiment décalé par rapport aux cartes. Et là, vous dites, vous ne me croirez pas, regardez, j'ai les 3 cartes en dessous de l'étui. Vous mettez un coup sec comme ceci. Vous voyez là, ça s'est bien séparé, c'est parfait. Et là, vous montrez 3 cartes comme ceci. Et vous montrez une à une les 3 autres 5. Et vous finissez en beauté. Voilà, vous récupérez l'étui comme ça dans la main, vous faites ce que vous voulez, vous parlez et vous rangez les cartes, vous prenez vos cartes et vous prenez le tout. Et vous avez fini votre tour sous les applaudissements. Voilà, alors j'ai pas testé combien de cartes on pouvait faire sortir, mais je pense que 3 c'est déjà bien, hein, ça suffit. Vous voyez, vous faites ce tour-là, c'est déjà bien. Hein. On va essayer avec 4 pour voir, mais je pense que 4 ça devrait être bon. Ouais, on va voir. Non, alors vous voyez, quand vous poussez, c'est ça que je voulais vous dire. Si vous poussez pas assez fort, voilà. Par exemple,
On pourrait voir par exemple ici, vous voyez, les cartes sont encore imbriquées dans l'étui. Et donc c'est un peu chaud. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment donner un coup sec dans l'étui, il faut pas hésiter à taper assez fort. Vous voyez là, c'était pas bon du tout. Voilà, il faut que ce soit comme ça. Si ça sort juste avant, à moitié, c'est pas bon. Comme ça, voilà, ça c'est pas bon du tout. Alors là, vous êtes grillé, je vous dis pas. Mais il faut vraiment donner un coup sec dans l'étui, il faut pas hésiter à faire ceci. Et là, vous avez les trois cartes qui apparaissent. Vous avez vu là, en éventail, c'est encore plus joli, hein, je trouve. Et là, je vous promets que les spectateurs vont vraiment croire que vous avez réussi à mettre les cartes sous l'étui sans que eux s'en aperçoivent. Voilà, je vous promets qu'ils vont penser à ça. Donc, on va essayer avec 4 cartes, on va voir si ça marche. Ici, oui, vous voyez, ça marche sans problème. On va essayer 5 pour voir. Après, je pense que vous pourrez avoir plein d'idées, hein, super, avec ce genre de gimmick. Donc, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Alors, là, ouais, c'est un peu chaud. Parce qu'au bout d'un moment, bah, les cartes, elles vont moins bien passer. Vous voyez, 5 c'est délicat déjà. Après l'ouverture, faut pas qu'elle soit non plus très large. Vous voyez, non. 4 c'est maximum pour moi. Ça marche très bien avec 4. Voilà, 4 ça marche très bien. Voilà, j'espère que ce tour vous a plu, que vous avez kiffé, que vous le ferez surtout. N'hésitez pas à commenter, à liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai. Si vous avez des idées de routine, n'hésitez pas aussi à les proposer dans les commentaires. Ça servira à tout le monde. Voilà. Donc voilà, je vous dis à bientôt les amis. Passez une bonne journée. Merci. Bye bye.